Alors maintenant, nous passons à un gros morceau qui sera parcouru par Michael Sidor, Dan Eitan, et puis à la toute fin, Lionel Richard qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est évidemment l'architecture. Je n'introduirai pas ce sujet puisqu'il a été traité ici. Simplement rappeler quand même que l'architecture et le paysage, pour moi, sont pratiquement des personnages du cinéma d'Amos Gitai. Ça semble évident de le dire. Rappeler pour ceux qui ne le savent pas qu'Amos dit souvent qu'il est un cancre en cinéma puisqu'il n'a jamais passé aucun diplôme et fait aucune école. Les seules études qu'il ait jamais faites, ce sont des études d'architecture. Il était étudiant au Technion à Haïfa, qui est le célèbre institut polytechnique, où son père a enseigné, deuxième génération du Bauhaus. Et puis il a été ensuite diplômé avec un doctorat d'architecture à Berkeley. Donc cette présence de l'architecture dans sa culture visuelle est tellement vaste que pour vous documenter, vous imprégner, moi je vous renvoie à sa très belle leçon prononcée ici même le 13 novembre, qui est en ligne sur le site du Collège de France, qui s'intitulait « Espace et structure, cinéma et architecture ». Vous pouvez aussi consulter un aspect de l'œuvre d'Amos qui n'est pas forcément très connu. Il a réalisé pour la télévision israélienne 16 émissions de 26 minutes qui s'appellent « Architecture en Israël » en 2012. Et vous y trouverez notamment un épisode avec Dan Eitan qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors, pour creuser un peu cette question des origines, des fondements idéologiques, politiques, poétiques de l'architecture en Israël, nous avons fait appel à Michael Sidor, que je vais vous présenter brièvement. Bienvenue, Michael. Vous êtes diplômé de l'Académie Bezalel à Jérusalem, section architecture, et vous êtes actuellement chef du département des archives numériques de la Bibliothèque nationale d'Israël. Vous vous êtes très tôt intéressé à l'architecture des pionniers de l'État d'Israël, parmi lesquels, bien sûr, Munio Weinraub Gitai, auquel vous allez consacrer une exposition à Haïfa à la fin de l'année. La conférence que vous nous proposez est une chance pour le public français d'appréhender la promesse d'utopie sociale à l'œuvre dans les débuts de l'architecture. The artisanal tradition is rooted deep in the ethos and mythos of high modernism. Counterintuitive as it might sound, traditionalism and the romantic image of the builder lay in the heart of modern architecture. La tradition artisanale est profondément enracinée dans l'éthos et dans le mythos de la modernité. Et bien que très contre-intuitif, l'image romantique et traditionnelle du bâtisseur est au cœur de l'architecture moderne. It is evident in the biography of the movement's pioneer, like Adolf Loos and Mies van der Rohe, who were both offsprings of stonemasons. Le Corbusier, who was an apprentice of Charles Le Plantonnier, and in the terminology of its most notable institutions and groups leading to its formation, such as the Deutsche Werkbund, the Arts and Crafts movement, and of course the Bauhaus. Et tout cela se voit bien évidemment dans la biographie des grands pionniers du mouvement architectural. N'oublions pas que Adolf Loos et Mies van der Rohe étaient tous deux fils de maçons, que Le Corbusier a été apprenti de chez Charles Le Plantonnier. Et cela se voit également dans les mots qui sont utilisés par les institutions et les groupes les plus célèbres qui ont contribué à la formation du mouvement, comme par exemple le Deutsche Werkbund, le mouvement Arts and Crafts, ou bien évidemment le mouvement Bauhaus, l'école Bauhaus. Which differently about the Bauhaus, which differently from what we normally associate with its perhaps severe functionalism, started off and maintained for somewhat a romantic fondness of medieval artisanally, illustrated here in this woodcut by Fenninger for the original manifesto depicting the cathedral. Alors, là-dessus, sur le Bauhaus, que l'on connaît souvent pour son formalisme, j'aimerais rappeler qu'en fait, au départ, c'était une image relativement romantique de tradition médiévale des constructeurs de cathédrales.
The particular role of Munio Weinraub in that context in Palestine is one of a soulful pioneer. Although the 1930s saw the booming of modernist architecture, a booming that later decades will be identified by UNESCO as the richest accumulation of the styles building in the world, it was usually, exactly as UNESCO so subtly noticed, a style, a fashion, or a popular jargon depended almost exclusively on image and not ethics. Dans ce contexte, Munio Weinraub était en quelque sorte un pionnier très solitaire en Palestine. Et si les années 30 ont vu l'éclosion de l'architecture moderniste, éclosion qui, quelques années plus tard, devait être décrite par l'UNESCO comme étant l'une des plus riches combinaisons de styles architecturaux au monde, ce style était en quelque sorte une mode, une désignation populaire qui se fondait presque exclusivement sur l'image et pas sur l'éthique. Weinraub's architecture was not stylistically modern. It did not confine to the dogmas of the flat roof, for instance, or the objectification of the single building with the rise on pilotis. Seen in here are such a local council hall in the town of Afula from 1941 that, like many other projects, consisted of two virations in the preliminary phases. In here we see that even the non-traditionalist version, this one, which usually did not prevail with the clients, is not dogmatic or seeking to convey an image of modernity, but rely on a pragmatic standpoint originating from climatic and technological know-how. L'architecture de Weinraub n'était pas une architecture moderne du point de vue du style. Hein. Par exemple, elle ne se limitait pas au dogme du toit plat ou du bâtiment unique monté sur pilotis, etc. Ici, par exemple, je vous montre l'illustration d'une maison d'habitation. C'était une maquette qui a été construite en 1941 et vous voyez que ça ne cède pas au style, ça se veut tout simplement être pragmatique. C'est une habitation qui répond aux contraintes du savoir du constructeur et aux contraintes climatiques. Weinraub's architecture was modern in the account of being a product of building and manufacturing and its implementation in a social context. This two-folded attitude, artisanal and social, which probably originated in his early studies of traditional carpentry, and came to full maturity in his years at the Bauhaus and working in Mises' office, is evident in his entire oeuvre of more than 300 projects. Donc en fait, l'approche de Weinraub était une approche très moderne de l'architecture. L'architecture vue comme le produit de la construction, de l'acte de construire, de fabriquer. Et cet acte était mis en œuvre dans un contexte social. Ces deux attitudes combinées, donc l'approche sociale et l'approche artisanale, trouvent sans doute leurs origines dans les études de menuiserie qu'il avait commencé à faire et s'épanouissent alors qu'il était l'élève de Meyer et de Derro à l'école du Bauhaus. Et cela apparaît évident dans ses projets. An emblematic example of this socio-artisanal approach is the Naaman Brick Factory and the Askar factory for paint. Located near the Kfar Masary kibbutz, it exemplifies the complementary relationship between careful planning, deep understanding and involvement in manufacturing, and a radical social construct. Donc un exemple tout à fait emblématique de cette approche qui combinait l'approche sociale et l'approche artisanale, c'est la briqueterie de Naaman et l'usine de peinture d'Askar, qui était située proche du kibbutz de Kfar Masaryk. Et cette usine est le parfait exemple de la relation de complémentarité entre une planification extrêmement minutieuse, une compréhension très intime et une grande implication de l'architecte dans la fabrication pour une construction radicalement social. Kfar Masaryk is a commune affiliated with the more radical branch of the kibbutz movement. It was founded in 1940 by a group of young Czechoslovak socialist Jews in the Haifa region.
Being part of that particular group called Hashomer HaTzair, the Young Guard, the commune seeked a Kropotkin social construct based on a balance of industry to the agricultural means of production. Donc la municipalité de Kfar-Mazarik est liée à la branche la plus radicale du mouvement des kibbutz. Cette municipalité a été établie en 1940 par un groupe de jeunes juifs socialistes d'origine tchécoslovaque dans la région de Haïfa. Ils étaient donc membres de la branche la plus radicale qu'on appelait la branche de la Jeune Garde. Et ce qu'ils voulaient, c'était aboutir à une construction sociale que je qualifie de kropotkinienne, fondée sur la complémentarité, la combinaison entre industrie et économie agricole traditionnelle. Weinraub planned the two factories from the general master plan of the manufacturing compound, with the help, or may better say, a product, a joint product of a landscape architect Oren Weinberg, who also received his formal training in the more progressive German academies of the time, only to find himself later on scorching under the sun of the Middle East in this specific plan. You want to go on that? C'est OK. Weinraub avait donc dessiné les plans des deux usines à partir de la nomenclature des différents composants qui rentrent dans la fabrication des bâtiments. Je ne vous cache pas qu'il a aussi été assisté par un jeune paysagiste qui s'appelait Weinberg, qui avait fait toutes ses études en Allemagne, et tout cela pour se retrouver sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. And of course, the individual buildings of the factory seen here, such as the factory manufacturing hall, the guardhouse, and the administration office, all of them making up for somewhat of a catalog of the factory products. Et donc ici vous voyez les différents plans des différents bâtiments. Vous avez vu le bâtiment de production. Je vous ai également montré les bureaux administratifs. Et tout cela, c'était des dessins qui ont été produits et qui permettaient aussi de présenter les produits fabriqués par l'usine. His involvement with the project even reached designing the graphics for an exhibition display of the factory's products and a pavilion, in this case, being part of the Jewish Pentecost festival, the Shavuot festival, traditionally celebrating the agricultural yield of the season, in many kibbutz. It was transformed to a festival of productivity and labor. Il travaillait en très étroite relation avec toutes les équipes en charge de la construction. Il a voulu et il a fait réaliser un pavillon pour présenter les produits qui étaient fabriqués dans l'usine. Et tout cela était présenté à l'occasion d'un festival très traditionnel dans la culture des kibbutz en Israël, qui est le festival qui célèbre les moissons et les récoltes, et qui l'a totalement transformé et qui est devenu le festival de la production et de la productivité. The pavilion was also integrated in a quite weirdly named exhibition in Haifa called Building at the Time of War and After from the year of 1943. Here we can see the plans for this pavilion. Et ce pavillon a été présenté lors d'une exposition à Haifa qui s'intitulait Construire pendant la guerre et après. Ici vous avez donc le plan. In 1943. C'était en 1943. Working in close ties with the commune building group, sort of an ad hoc, quite unskilled builders guild in charge of erecting all the structures in the kibbutz, Weinraub became somewhat of their official architect, promoting the very uncommon till that point usage of bricks manufactured in the factory for the building of the newly founded settlement. Et donc, Weinraub a travaillé mais très très proche des ouvriers qui construisaient et qui n'étaient pas forcément extrêmement bien formés. Et de ce fait, il est en quelque sorte devenu leur architecte en chef. Et il a décidé, chose très rare à l'époque, de promouvoir l'utilisation des briques produites dans l'usine pour la construction de la ville qui était en train de se créer. These buildings designed for the kibbutz itself were yet again an example of what I refer to as this socio-artisanal approach.
Among them, we can find a few prototypes of joint housing blocks, a Spartan, though pretty cozy, one-room apartment from 1942, to a more bourgeois type from 1947 that included a joint sink and a toilet for every two apartments. Donc, vous voyez ici des bâtiments qui sont un parfait exemple de ce que j'appelle, moi, une approche socio-artisanale. Vous voyez des prototypes de bâtiments d'habitation. Vous avez un très joli petit T1 qui date de 1942. Vous avez également un appartement plus confortable, plus bourgeois, qui date de 1943. Celui-là. Alors c'était des logements collectifs, mais dans celui-là plus bourgeois, il y avait salle de bain et évier partagé pour les deux maisons. Which is a truly a deterioration of idealism, and was also supplemented by a shared bathhouse. Here we can see the studies and the plan of Weingraub for this joint shared house in the kibbutz. Oui, en fait, tout cela, ça rejoint une idéologie. Enfin, c'est l'architecture qui est aussi au service d'une idéologie de partage. Donc, vous aviez cuisine commune, vous aviez salle de bain commune, vous aviez des logements partagés. Et il y a également un plan d'une maison de bain commune. Hommes et femmes, oui. More buildings consisted again of several versions in the proposal phase, such as this children's house. Which was in fact a dormitory and a teaching room for the commune youngsters, whom in the confine of the ideological new society grew in detachment of their biological parents. Et vous aviez parmi les différents projets, vous aviez également ce bâtiment qui était le projet d'un lieu, d'une maison pour les enfants. D'une maison où les enfants pouvaient, où on pouvait enseigner aux enfants, ils pouvaient aller à l'école, mais qui était également vu dans l'idéologie qui était présente à cette époque-là dans la construction des kibbutz comme étant un lieu où les enfants pouvaient se détacher, s'émanciper de leurs parents. The kibbutz architectural crowning is without a doubt the dining room. Built it 20 years after the project of the factory, the brick factory, it can be seen as a poem for the social utopia written in the purification of bricks, concrete and glass. Et le joyau de la couronne dans le kibbutz, c'est sans nul doute le réfectoire qui a été créé et construit quelques 20 années après la construction de la briqueterie et qui rejoint toute cette belle idéologie et qui se traduit par la pureté des lignes et des matériaux qui sont là, le verre, la brique et le béton. The plan shows the punctuation of this masterpiece, which consisted of perfectly balanced spaces of matter and cavity, utilized for the common daily usage, which, like you can already imagine, was complementary mastered by Weingraub's detailed planning ability. Donc là, sur ce plan, vous voyez, c'est le plan du bâtiment du réfectoire, et vous voyez combien les lignes sont pures, combien les espaces sont organisés, et évidemment, tout cela était possible grâce à la minutie des plans de Weingraub. Showing here is the drawing for the working class hangers and the information board announcing the daily activities and chores. Alors ici, vous avez le dessin des patères pour accrocher ses vêtements. Pour vous montrer à quel point on allait dans la minutie du détail, vous avez le dessin de la patère pour que les gens puissent accrocher leurs vêtements quand ils rentraient au réfectoire. Et vous avez également le dessin du panneau d'affichage qui permettait d'afficher les différentes activités de la journée. Elevating the building with just four simple stairs flight, it is on the one hand completely integrated in the landscape, and on the other, maintain its ceremonial stand. Le bâtiment est surélevé sur une simple dalle, ce qui lui permet d'un côté d'être complètement intégré à l'environnement, mais il est quand même surélevé, ce qui lui donne quand même sa position dans la communauté. All these examples portray the kibbutz as a fertile ground for the combination of utopian social construct and the art of building. The community is forged through the act of building
in a similar manner to the medieval cathedral builders and the Bauhaus ideal of a creative congregation. Et tout cela montre combien le kibbutz, comment le kibbutz pouvait concilier cette idéologie d'utopie sociale avec la construction qui était vue comme le moyen de fédérer, de rassembler les gens, de créer une communion entre les habitants du kibbutz, un petit peu comme à l'époque de la construction des cathédrales, et un petit peu également comme à l'époque de l'école du Bauhaus. Oui, collectivement. Although Weinraub, ever distancing himself from politics, never formally joined the kibbutz, surely this frame of activity lured him deeply, as though all of his career he designed and executed numerous projects in dozens of kibbutzim. Bien que Weinraub n'ait pas pris parti politiquement et n'ait jamais lui-même rejoint un kibbutz, tout au long de sa carrière, il a continué à travailler sur les kibbutz et il en a créé plus d'une douzaine. Although artisanal qualities and ethics was to say the least lacking from the flocks of modernist architecture in Palestine of the 30s and 40s, it had a brief shimmer in the Israeli architecture of the 50s and 60s. Still awaits a further study, I believe Weinraub had a crucial role in this phenomenon, a pedagogical one. Bien que les qualités à la fois artisanales et éthiques n'ont pas forcément été prépondérantes dans l'architecture moderniste en Palestine durant les années 30 et 40, elles ont eu un éclat dans ce qui allait plus tard être identifié comme étant l'architecture des années 50 et 60. Alors bien entendu, tout cela mériterait d'être étudié plus avant, mais je suis pour ma part convaincue que Weinraub a joué un rôle absolument crucial dans ce phénomène. Il a joué un rôle très pédagogique. After 1948, Weinraub was invited to teach in the Israeli Technion, then the only school for architecture in Israel. His classes were mainly on the subject of detailed design and building processes, as seen in these notes from his lecture found in his archive, and in the drawing made by him through his career. Donc après 1948, Weinraub a été invité à enseigner au Technion d'Israël, qui à l'époque était la seule et l'unique école d'architecture en Israël. Il enseignait principalement la conception, le plan, le détail et les processus de construction. Et différentes sources nous apprennent que ces cours étaient parmi les plus courus de l'école. All students were mandated to attend Weinraub courses, and being so, virtually all the new generation of Israeli architecture learned the art of building from him. Just to clarify the historiography of that subject, Israeli architecture in its two first decades, that is the 50s and the 60s, was a conglomeration of fashionable quotation from the European avant-garde with a deep thirst to establish a vocabulary that will represent the new Israeli. En fait, toute la nouvelle génération d'architectes a suivi les cours de Weinraub au Technion d'Israël et donc a été formée par Weinraub. Mais pour être très clair, l'architecture des années 50-60 emprunte à la tradition de l'avant-garde européenne, mais maintient une véritable volonté d'établir un vocabulaire spécifique israélien capable de représenter ce nouvel État d'Israël. The new Israeli, or the Sabra, the non-immigrant, straightforward, anti-intellectual, rugged persona that the new generation strove to adapt. The artisanal aspect of this phase in Israeli architecture was the execution of exposed elements in the building, sometimes to a virtuose degree. C'est donc cette génération d'architectes qui ont commencé à travailler dans les années 50-60. Yeah, no, just one minute. Yeah, it's getting too long. So okay. We'll do it fast. Cette nouvelle génération voulait permettre l'expression du citoyen non migrant direct, anti-intellectuel, que voulait être cette nouvelle génération israélienne. Et l'aspect artisanal dans l'architecture s'est traduit par l'exécution d'éléments visibles, avec quelquefois en béton et avec un très grand niveau de virtuosité. The exposure, with all its ideological weight of truth in architecture,
is first and foremost dependent on the architect's ability to plan the foundry molds, to produce the shop drawings for the careful assemblance of wood planks that Weinraub taught the new generation in his courses. This is why I show things that are not on Weinraub. Rendre les choses visibles avec tout le poids idéologique de la vérité dépend en premier lieu de la capacité de l'architecte à prévoir le coulage des moules et à produire des plans qui vont ensuite permettre l'assemblage très minutieux de planches de bois, par exemple. C'est ce que Weinraub enseignait dans ses cours aux nouvelles générations. Weinraub's contribution to this formation of this language, other than the pedagogical one I've mentioned, was evident mostly in the building of his later phase, such as the dining room in the Hazorea kibbutz, the Type T model housing in Ramat Hadar, and the Israeli labor movement headquarters also in Haifa. La contribution de Weinraub à la formation de cette nouvelle langue s'illustre dans la salle à manger que j'ai, enfin le réfectoire que je vous ai montré tout à l'heure, dans des immeubles de logement hantés dans le quartier de Ramat Hadar à Haïfa, et également dans le siège du mouvement ouvrier d'Israël, qui est également situé à Haïfa. I will finish with this little phase, with the rise of neoliberalism ideals and Israeli society's shoving away from its social realism short tradition. This brief moment of interest and ability in the art of building have completely vanished. Je terminerai sur ces mots avec la montée de l'idéologie néolibérale et alors même que la société israélienne s'éloigne de sa courte tradition de réalisme social, cette période d'intérêt et la capacité de l'art de la construction ont totalement disparu. Architecture today in Israel, like in many other places in the world, have become a money-making or a building rights generating machine, and the architect mostly in charge of the image making at best. In this context, making Weinraub complete archive, and it's quite an archive consisting of more than 16,000 drawings and hundreds of files, making it accessible and usable might remind us and the new generation of architects that architecture could be an art of building for a social cause. Et aujourd'hui, comme dans de très nombreux pays, l'architecture n'est devenue qu'une activité lucrative, une machine à délivrer des permis de construire. L'architecte est, lui, devenu un pion dont le rôle est principalement de créer une image. Dans un tel contexte, rendre la totalité des archives de Weinraub accessibles et utilisables, et il y en a, il y a plus de 16 000 plans et dessins, cela nous rappellerait que l'architecture pourrait redevenir un art de la construction au service d'une cause sociale. Merci beaucoup. Alors, on verra peut-être que Dan Eitan va peut-être tempérer le pessimisme de cette conclusion, puisqu'il parle d'une relève au sein de ses étudiants à Technion, dans un souci de construction citoyenne, de construction écologique. Peut-être qu'il faut, voilà, comprendre qu'une nouvelle génération se lève et tourne le dos aux préoccupations uniquement mercantiles de l'architecture. Michael Sidor, cette conférence s'appuie sur effectivement une numérisation d'archives absolument exceptionnelle. Je précise qu'il est engagé dans un travail de digitalisation de tous les arts visuels et de la scène, pas lui tout seul, mais enfin toute la Bibliothèque nationale israélienne est engagée dans ce travail de numérisation à la fois des arts du spectacle, danse, théâtre, et les arts visuels, architecture, design, etc. Donc c'était une immersion très, très considérable que vous nous avez permis dans ce matériel.